Toutes les préoccupations qui sont là, dans l'air du temps. Et pas que dans l'air. Hein. Mais pas que dans l'air. Et alors, donc, les inondations, on va commencer par ça. Mais avant, juste un petit rappel pour Solidaire d'abord, qu'est-ce que c'est? Ben, donc, c'est une émission qui vient de loin, hein, elle a 15 ans, d'âge. Ah ouais. Elle est venue à la suite de cette volonté de dire non à ce traité constitutionnel de 2005. Et moi j'ai entendu il y a récemment à la télé, ils en parlent même plus quand ils parlent de référendum. Non, celui-là, c'est pas ouais. Ils parlent de Maastricht. Ah, mais il a été gommé celui-là. Et celui-là, il n'existe pas. Enfin, bon, bref. Donc, alors, préoccupations évidemment écologiques, évidemment sociétales, évidemment. Oui, voilà. Alors, première chose, les inondations. Alors, ces inondations-là maintenant, catastrophe ou normale ou... Enfin, comment vous le voyez? Oh ben pour l'instant, moi, je pense que c'est normal. Disons. On est à peu près à la période, ça dépend des fois. Moi, je me méfie par rapport à la période, au choix de la période et à l'énoncé de la périodicité. Je me méfie beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ayant pas accès aux chiffres réels et comment dire, séquencés sur plusieurs années, affirment des choses. Moi, je me souviens des éco-radars. Les éco-radars météo, hein, qu'on suivait il y a longtemps dans tous les centres et compagnie. Les éco-radars météo, il y avait une religion qui était sortie sur un aérodrome assez grand. Les CUNAM se partagent en deux en arrivant sur l'aérodrome. L'aérodrome, évidemment, il n'y a pas d'air, enfin, il y a de l'air court, etc. C'était la religion. Mais c'est pas vrai, moi j'ai eu tant d'observations, c'est pas vrai du tout. Ça fonctionne différemment, c'est sûr. Ça pénètre pas sur les zones sèches, c'est sûr, mais ça fait autrement. Je me souviens de ça parce que ça m'avait choqué du fait que la doxa c'était ça. Ouais. Tu nous rappelles qu'il faut recouper les informations, quoi, avant de s'engouffrer sur les. Oui, c'est sûr. Oui, en fait, si un épisode, c'est Venol. Voilà. À la période adéquate, dans la zone des Cévennes. Et. Ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que la tendance, c'est qu'ils sont un peu plus sud-ouest. Nous, on en a plutôt un peu moins. Voilà, c'est ça. Par exemple, là, il y a le bassin de la 16 n'a pas été impacté dans la partie haute. Là, c'est le massif de l'Aigoual. Alors, l'Aigoual, c'est quand même réputé pour avoir été à l'origine de nombreuses inondations. Hein. Il faut penser que le reboisement de l'Aigoual, sur lequel il y a eu un film qui a été fait par notre collègue Jean-Claude Perron. Et donc, ils ont reboisé parce qu'il y avait eu des inondations, mais alors, catastrophiques de chez catastrophiques. Hein. Et c'est vrai que la région, en particulier, moi je pense à Anduze, elle est presque toujours concernée par les épisodes Cévenol. Alors après, c'est vrai que quand on va un peu plus vers l'Aude, les trucs comme ça, ils en ont eu ces dernières années, qui sont même descendus dans la plaine. Là, par exemple, en 2002-2003, l'épisode qui a concerné le Gard très proche, hein, et jusqu'au gros du Roi, pratiquement Aimargues, etc., il y a eu un orage stationnaire avec des hauteurs d'eau, alors à Anduze à l'époque, on avait dit qu'il était tombé pas loin de 500 mm d'eau en moins de 24 heures. Mmh. Alors là, on a entendu, je ne sais pas, ça me paraît fort, il y en a qui ont parlé de 950 mm. Là, c'est quand ça serait beaucoup. En 24 heures, ça me paraît fort. Ouais. Ouais. Et ici, localement, c'est à peu près 50, entre 50 et 100 mm. Quasiment, on ne fait pas grand-chose. Et Denis, alors... Oui, non, 45 mm. 45 millions. Oui, voilà. Au local, pour les agriculteurs, en tout cas. Non, c'est pas. Non. Oui, c'est bien, c'est mieux que rien.
Mais non plus, c'est tellement sec que... Ah oui, c'est... Oh, ça ne fait rien du tout, oui. ça pénètre pas. Hein. Oui, ça pénètre pas. Ah non, ça ne fait rien du tout. Dans les forêts, ça juste... Ça ah oui, ouais. Non, oui, parce que ça va sur les feuilles. Oui, non, d'ailleurs, à cette privale, la rivière, elle est toujours non. sec. Hein. Ah oui. Alors, on a plein de sujets, on n'a que 25 minutes. On va parler aussi du Covid, évidemment, et du désastre, oh. du désastre du Covid, parce que désastre, pourquoi ? Sur la façon dont la crise est gérée, quoi, hein, déjà. Ah alors, moi, je sais pas, je fais juste un petit rappel. Les masques, ça a été la catastrophe. Les tests, maintenant, il faut attendre une semaine pour avoir les résultats. Quand on va avoir un vaccin, qu'est-ce qu'ils vont arriver à nous trouver comme catastrophe suivante, quoi ? Parce que, bon, on peut s'attendre à tout, quoi. Oui, le problème du vaccin. Le problème des tests, c'est qu'on en fait, mais à la limite, on va maintenant se faire peur avec les résultats des tests. Oui. Parce qu'on nous dit, oh mon Dieu, il y a 10 000 cas de plus, mais non, c'est 10 000 tests qui ont donné des résultats positifs. Alors évidemment, si on a multiplié le nombre de tests par 3, par 4, par 10, il est clair qu'on aura plus de résultats positifs. On a plus de résultats positifs. Et donc les bons indicateurs, ça serait le taux de positivité. Oui. Alors en général, tu ne donnes tu pas. Sais, tu sais, par rapport à ça, il y a des chercheurs qui ont dit, qui ont essayé d'extrapoler le truc en disant si on avait fait les mêmes tests en mars, on aurait eu 10 fois plus de cas. Voilà, c'est ça, ouais. Et au niveau des Réa, bon, c'est vrai qu'il y a des zones, les Bouches-du-Rhône, les départements les plus peuplés, où effectivement, en Réa, il commence à avoir pas mal de monde. Mais sur 80 départements, je dirais standard, la moyenne des réanimations dans ces départements, actuellement, hein, avec les derniers chiffres, c'est à peu près 4 par département. Alors, le gars qui a fait l'étude, il disait que dans l'Aveyron, ils ont mis le département en zone rouge alors qu'il y a 6 cas en réanimation. Ah, ça fait plus que 4. Oui. Non, mais la France a peur. Voilà, je pense qu'il y a la volonté d'avoir un peu cette notion de peur. Alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est que dans le même temps, alors qu'on a mis une couche là pour faire peur, quelque part, hein, dans le même temps, on nous dit on allège les mesures dans les écoles. Et parce que, paraît-il, voilà, il y a des études, alors on ne sait pas lesquelles, mais il y a des études qui montrent que les enfants sont très peu contagieux par rapport aux adultes, et que c'est les adultes qui contaminent les enfants. Alors, là, moi j'ai vu une étude, celle de l'Institut Pasteur, qui n'est absolument pas significative pour donner cette conclusion-là. Mmh. Par contre, c'est vrai qu'il y a des Américains, alors bon, c'est des Américains, hein, qui ont fait une étude sur des... Ça veut tout dire. Sur des enfants malades, c'est-à-dire... Parce que l'étude de l'Institut Pasteur, ils ont fait une étude sur une cohorte de population, c'était à Crépy-en-Valois, au mois de mars, hein, c'était la première épidémie en France, et ils avaient 1300 personnes, effectivement, une population de 1300 personnes, mais il y avait 3 enfants contaminés. Et ils concluent avec 3. Mmh. Avec 3 enfants, il faut une conclusion générale. Les Américains, ils avaient, je crois, 210 patients malades. Et ils ont fait une recherche sur les traces de virus, parce qu'en fait, on peut en trouver que des traces. Le virus, ça ne se cultive pas. Donc, on a des traces génétiques dans les sécrétions nasales. Et ils ont constaté que chez les enfants de moins de 5 ans, il y avait 10 fois plus de traces que chez les enfants plus grands. En tout cas, alors, il ne conclut pas sur la contamination. Ce que tu relèves, en fait, c'est que... Une incohérence. Dans les études, il y a tout. Et tout est son contraire. Tout est son contraire. Voilà. Et d'ailleurs, dans les discussions des médecins, je ne sais pas si vous avez un petit peu regardé... Moi, quand j'allume la télé, je suis effaré. Parce que normalement, un scientifique, c'est quand même quelqu'un qui tient un peu la route. Oui. T'as un mec qui commence son discours d'une certaine façon, il y a l'intervieweur qui lui pose une question, le mec d'un seul coup il se dit « Oh putain, c'est pas responsable ça !» Donc il change, et il finit son truc, et il dit exactement le contraire, quoi. Mmh. Parce que il faut être responsable, quoi. Et il faudrait pas être responsable d'une catastrophe, en tout cas. Voilà. Donc le discours de responsabilité amène à un truc, mais... Et donc ils sont tous en train de resserrer les boulons. En même temps, c'est vrai qu'ils serrent les fesses, comme on dit. Oui, mais en même temps, mais oui, mais c'est ça. J'ai pas osé le dire. Moi, c'est ça qui me... C'est ça qui me plaît, c'est que effectivement, on a
traditionnellement confiance en, quand le docteur a parlé, pas de problème, etc. Là, ça prouve que eux aussi, ils se basent sur des éléments, et puis quand on leur demande, ils vont jusqu'à la conclusion, pour certains, c'est vrai, jusqu'à la conclusion, hein. Mais ce n'est pas basé sur quelque chose de solide. Moi, ça... Bon, je suis ancien météo, donc c'est de quoi je parle, par rapport aux certitudes. Les certitudes, tu sais, ça m'a démoli beaucoup. C'est difficile, hein. Et sur le médecin, moi, je trouve... Les médecins, tu leur poses une question à télé, avec sa beauté comme ça, même sa beauté, ou à la radio, en France Inter, ils se sentent obligés de répondre, la plupart. Sauf certains qui disent, on ne sait pas. Moi, ce qui ne m'a pas plu, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent, ah là on ne sait pas, là on ne peut pas savoir. Mais c'est honnête, ou même c'est honnête de dire, attendez, dans l'état actuel de ce que je sais, bien sûr, je ne peux pas répondre. Bien sûr, c'est ça qui est réconfortant, mais les gens ne s'attendent pas à ça pour l'instant, qu'on leur a dit. C'est comme pour les écoles, c'est pareil, je ne sais pas comment ça va tourner, ça. Comment ça va tourner, cette histoire? Tu mets des masques sur toutes les gueules de tous les enfants, là. Attends, comment ça va tourner, ça? Je trouve les instituts, je ne pas les pour l'instant. Ah, c'est la cata, là. C'est-à-dire, ils en étaient arrivés avec le premier protocole à avoir plus de 2000 classes fermées. Et au train où ça allait, ils arriveraient, finalement... à fermer une forte proportion de classes. Mais de toute façon, ça fonctionnerait assez bien dans cette nouvelle société qui tout doucement est en train de se mettre en place, hein, avec les voeux du président, hein, par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on privatiserait l'école, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une espèce de direction, hein, qui nous est donnée, école à la maison, travail à la maison, etc. Et puis chacun pour soi, et puis Dieu pour tous, hein. C'est vraiment dans cette optique-là. Je ne sais pas comment... Mais le truc, c'est que l'école à la maison, c'est bien, à condition que les parents soient équipés, qu'ils soient connectés, et que les parents puissent suivre les cours. Parce que ce n'est pas tous les parents qui ont le temps, parce que quand ils travaillent, et qui ont la capacité de suivre les cours, suivant l'évolution. Puis les cours ont changé, même que la personne qui a fait des études, les cours ont changé, ça a évolué, les données ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc c'est très compliqué pour les parents de faire les cours à la maison. Oui, et puis en plus, il y a le fait quand même que d'avoir un groupe classe, les enfants, ça les met quand même dans des conditions globales, collectives, pour mieux travailler. Alors, à condition qu'ils arrivent à être assez concentrés, etc., etc. Moi, je peux donner juste, mais on a été profs tous les deux, quand un enfant voit un enfant faire quelque chose, il le refait avec beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de commodité que quand c'est un adulte qui lui propose. Exactement. C'est évident, hein. C'est-à-dire ils sont plusieurs à être dans la même galère, même si vous galère ou même s'ils aiment bien, dans la même activité. Il y a un effet d'entraînement, disons. Oui, c'est ça. Alors que individualisé, on est déjà dans une société extrêmement individualisée. Oui, et c'est vrai que abandonner cette initiation au lien social qu'est l'école, c'est vrai que... Et déjà, même le simple fait qu'il n'y ait plus d'égalité territoriale en termes d'enseignement et d'éducation, à mon avis, c'est grave. Et là, le constat n'a pas été fait, en plus. Mais non. On est dans cette société de progrès dont nous parle Macron. Hein, les Amish, adieu. Nous, on est dans le progrès. Et donc, c'est une vraie catastrophe, quand même. Parce que, alors, c'est vrai que ça pose une question philosophique importante. Là, on est à un nœud de notre société. Pourquoi ? Parce que, pendant des années, les forces dites de progrès, c'était les forces de gauche. Hein, c'était théoriquement la gauche qui se posait des questions sur la société, qui essayait de proposer quelque chose qui soit plus, qui aille de l'avant, qui permette à un moment donné d'envisager une égalité peut-être à long terme, mais en tout cas voilà. Et là, maintenant, on a cette espèce de progrès qui est professé par des gens comme Macron, c'est-à-dire le progrès néolibéral. Lui, c'est pas du tout pour envisager une égalité à long terme. C'est juste pour favoriser certains. Et donc, on
va se retrouver avec une société qui va avancer, alors là, pour le coup, complètement dans une fracture sociale terrible, avec des gens qui vont avoir les équipements. C'est déjà le cas, d'ailleurs. Hein. Il y a des gens qui ont la 4G qui fonctionne, mais il y a des gens qui n'ont pas la 4G qui fonctionne. Et ils sont en train de nous parler de la 5 et de la 6G. Voilà. Et donc, on est en train de couper complètement l'égalité qu'il pouvait y avoir, le semblant d'égalité qu'il pouvait y avoir dans la citoyenneté. Ben, c'est-à-dire, pendant les Trente Glorieuses, on avait des perspectives de croissance, avec l'augmentation de productivité dans les technologies, dans les entreprises. Oui. Donc cette technologie, il y en a une partie, cette augmentation de productivité, il y en a une partie qui pouvait revenir aux travailleurs. Et la gauche s'est appuyée là-dessus en étant aussi productiviste. Or, maintenant, il s'avère qu'on est au bout. C'est-à-dire, on ne peut même plus proposer aux gens de vivre comme on vit actuellement, parce qu'à la fois, je dirais, on prélève trop sur la nature, et en même temps, on est trop nombreux. C'est-à-dire, il y a les deux choses. C'est-à-dire, à la fois, individuellement, on prélève de plus en plus, et par ailleurs, on est de plus en plus nombreux, donc la catastrophe, alors, elle n'est pas loin. Hein, non, mais la solution, c'est accélérer, évidemment. Évidemment, c'est accélérer. Mais accélérer, pas pour tout le monde. Bon, mais accélérer, comme ça va provoquer des chocs. Ah ben, et là, ça se prévient un certain nombre de gens, toi. Ça. Ben, c'est pour ça qu'il y a le mouvement des Gilets jaunes, qu'il y a eu le Brexit en Angleterre, qu'en Amérique, ils ont élu Trump, parce que le système était en faillite. Et qu'après Trump, qu'est-ce qu'ils vont faire avant? Ceci dit, au passage, Trump, il est candidat pour le prix Nobel de la paix. Ah oui, ouais, ouais, il est nominé pour le prix Nobel de la paix. Ah, il y avait déjà eu Obama avant. Ouais, ouais, ouais. Obama, juste au moment où il avait renvoyé des troupes en Afghanistan, ouais, il avait eu le prix Nobel de la paix. Ouais, non, mais bon, cherchez les Alors toi, Denis, ça te fait quoi, cette espèce de course au progrès? Non, mais le problème du course au progrès, c'est comme l'enseignement, on laisse les gens sur le carreau. On laisse les gens de côté. La 5G, il y a tous ceux qui sont sensibles aux ondes, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces gens-là? Ah, mais ça, on en parle c'est, même voilà, pas, c'est même pas exploré. À force d'éliminer les plus fragiles, ben oui, on va rester quoi? On va écraser tout le monde? C'est ça le progrès, c'est ça l'humanisme, c'est ça. On les regroupe. Ah, c'est là qu'on va aller. Macron, il n'est pas humaniste. Hein. Non, mais c'est là qu'on va aller. Toujours produire pour jeter. Quand on voit toute la nourriture qui est jetée tous les jours en France, mais c'est une honte. Alors, juste pour donner un petit contrepoint à ce qu'il nous explique, parce qu'il nous explique que Macron monte, là, hein, au niveau de. Les gens sont de plus en plus macronistes. Alors, il y a eu des élections locales là, qui se sont passées ce week-end. Personne n'en a parlé dans la presse. Hein. Vous pouvez chercher. Hein. Moi, quand on m'a dit ça, donc c'est à la maison, j'ai quelqu'un de très informé qui m'a dit ça. Donc, il y a eu des élections, 6 élections partielles pour des remplacements de gens qui sont devenus ministres, par exemple, qui étaient députés, qui sont devenus ministres, ou des gens qui ont préféré être maires plutôt que députés. Oui, peut-être bien. Enfin, 6 élections locales, et dans ces 6 élections locales, tenez-vous bien, 80% d'abstention. Donc là, on est rentré dans un truc, enfin, ça se vérifie, quoi. Je veux dire, déjà au municipal, ça a été ça, là, on va encore plus loin, 80% d'abstention. Gros rejet des politiques. Et l'AREM fait entre 3 et 5% des votants, des 20% restants. Hein. Donc c'est une cata, c'est en tout cas un rejet de cette société-là. C'est pas une cata. C'est un gros problème, parce que finalement, ceux qui sont élus, c'est ceux qui avaient mobilisé le maximum de leurs sympathisants. C'est pas le parti qui l'a fait. La personne qui a le plus de partisans, c'est la personne qui a mobilisé le plus. Ça fait que si ça continue, ça sera qu'une question de com' et de mobilisation de ces troupes. Oui, donc en fait, c'est ceux qui détiennent les médias. Oui, ceux qui peuvent influencer le peu de gens. Voilà. Et d'ailleurs, Macron a été soutenu par ces gens-là. Quoi. Ouais, c'est clair. Hein. C'est ce qu'il faut souligner, c'est que c'est pas nouveau. Quoi. Ah non, c'est pas nouveau. Macron, c'est le champion de ce machin. Ah oui, mais ça s'est accéléré. Quoi. Ça s'est accéléré, et maintenant, il est clair
que la notion de vote et de démocratie. Une démocratie. Ça revient uniquement à dire, si on dit la démocratie, c'est le vote, ça revient à dire, bon, c'est qui possède les médias. Après, il faut voir si on compte les bulletins nuls, les bulletins blancs. Parce que la question était, est-ce qu'on va compter un jour ou l'autre les gens qui s'abstiennent, qui votent blanc ou nul ? Parce que peut-être qu'à force d'avoir 80% d'électeurs qui ne vont pas voter, peut-être qu'un jour ou l'autre, quand même, nos politiques vont peut-être se poser la question. Oui, mais c'est pour ça que toutes tendances confondues sont contre. Oui, mais enfin bon. Ah, ben oui, autrement. C'est ça, ce serait ça. Il faudrait quand même aussi bien. Bien sûr, que ça serait normal, bien sûr. Mais alors, ce que ça donne au local, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'activité cet été, parce que bon, c'est vrai qu'il s'est passé des choses cet été en Ardèche, au local. Il y a donc un projet à la Ville-Dieu d'une construction d'une usine de bitume à chaud. Hein, voilà. Donc, alors, c'est une délocalisation en plus cette usine, puisqu'elle existait avant ailleurs, et donc elle serait là mise à la Ville-Dieu, à 1 km seulement de la ville de la Ville-Dieu. Hein, donc ça va quand même poser des problèmes à la fois de santé, plein de choses. Hein, au niveau de la pollution, quand même, une usine de bitume à chaud, oui, c'est pas rien. Et alors ça, au niveau démocratie, c'est quand même complètement... c'est insensé. Le maire vient d'être élu. Quand il a été élu, ça ne figure absolument pas dans son programme. À peine il est élu, pof, le mec, il fout cette usine de bitume à chaud. Donc, si tu veux, au niveau de la démocratie, c'est complètement farfelu, quoi. C'est du délire. Et il y a la même chose avec ce qui se passe à Saint-Pierre-de-Colombier. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu. Oui, donc, à Saint-Pierre-de-Colombier, là, ça vient de loin, hein, puisque cette congrégation des frères missionnaires, ou je ne sais plus comment ils s'appellent, ça existe depuis très longtemps. Hein, ça fait 80 ans qu'ils sont là, hein, depuis la fin de la guerre de 39-45. Pas dans ce coin-là. Non, à Saint-Pierre-de-Colombier, ils sont là depuis 46, je crois. Mmh. Et petit à petit, ça a monté, ça a grossi. En 2001, donc il y a les gens au local à Saint-Pierre-de-Colombier qui ont commencé à faire une association pour lutter contre ces frères missionnaires. Donc il y avait des gens au local qui n'étaient pas d'accord et qui l'ont fait entendre. C'est pas contre les frères missionnaires d'ailleurs, c'est contre les constructions. Voilà. Et en 2015, il y avait déjà un premier projet qui a été qui n'a pas eu de suite. Ouais. Donc, et il y a eu ce deuxième projet qui a été déposé en 2018, où il y a des vices de forme manifestes dans la demande de permis de construire, avec une réponse de l'État qui a accepté. Donc maintenant, le permis de construire, il a été validé par l'État, avec manifestement des manquements très forts. Mmh. Et donc, ça pose quand même des questions sur, justement, la démocratie locale, quoi. Hein, parce que, voilà, comment c'est possible, ce genre de choses? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais localement, c'est pas évident qu'il soit... Déjà, bon, il manipule le vote, puisqu'il y a des gens qui sont censés résider dans le bled, et alors qu'en fait, ils n'y habitent pas, mais qui font partie des frères missionnaires, et qui représentent 80-90 personnes. Oui, c'est ça. Qui votent. Et par ailleurs, les entreprises du coin, il y en a pas mal qui voient ça d'un bon oeil. Mmh. Donc, au niveau purement, je veux dire, électoral, d'ailleurs la liste du maire qui soutient le projet, elle a gagné. Ben oui, parce qu'il y a les frères missionnaires qui ont voté pour lui. Et oui, donc si tu veux, c'est ça. T'as quand même un volant de 90 personnes... Qui n'habite pas là. Ça a été constaté par l'huissier. Oui, et qui fait pencher le vote. Ah. C'est-à-dire, le maire sortant, qui soutient le projet, a été élu. Hein. Ah. Moi, j'avais un copain qui était chef de l'autre liste, hein, il a été battu. Ben oui, ben, déjà au départ, quand tu prends les frères missionnaires qui habitent sur le local, ils sont 30. Ouais. Plus c'est 90. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça fait, il y a 300 votants. Voilà, ça fait 100. Ouais. Au total, ils sont 120 sur 300 votants. Oui, donc, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ça? Il suffit qu'ils aient 20-30 personnes qui votent pour eux, c'est bon. Non, là je pense que le vrai problème, c'est le respect de, un, le code de l'urbanisme, le fait qu'on est dans un parc national, qu'ils vont faire venir 3000 personnes. La rivière, c'est un amont du barrage qui alimente dans l'eau potable tout le secteur du sud d'Ardèche.
Ah, quand même, ça me paraît, ce truc-là. Alors, l'émission est terminée. Est-ce que vous avez un dernier petit mot vite fait? À bientôt. À bientôt. Ciao. À bientôt.